Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 4 de Rayman 1. Là, il n'y a plus de son, mais c'est logique parce qu'il n'y a jamais de son. Ah, et il y a du son maintenant. Donc, on est parti, on vient juste de battre le boss. Hein. Le boss saxophone. Maintenant, on est parti pour un nouveau monde. Un nouveau monde avec un magnifique fond d'écran avec les horreurs bon et réel. Avec une musique très spéciale. Une musique un peu de trop de l'audit. Bon, je crois pas que je le reste machin. Et aussi des ennemis ressemblant à Fireflav. Vous allez les voir tout de suite. Si je réussis à trouver l'endroit par où passer. Peut-être en dessous là? Non. On peut pas passer. Bon, je pense qu'il faut faire ça. Oh, j'y étais presque. C'est vraiment loin quand même, hein, purée. Voilà. Et voilà. Oula, par contre, s'il y a cette connerie juste à côté. Et cette connerie, c'est Fireflav. Ah oui, c'est Fireflav en mode Fire Roche. C'est quand qu'il va crever? Enfin, c'est parce que c'est Fireflav et il est très costaud. En bas route, là, c'est un peu exagéré, hein. Purée, c'est plus que costaud celui-là. C'est muscleur. Je vais tomber. J'ai de la chance. Jack l'andouille. Je sais plus comment je l'appelais exactement. Ah. Des nuages. Et un magnifique machin. Et je peux pas passer par là. Donc, je monte par ici. Je peux pas tous les avoir, les machins bleus. Les sphères bleues. C'était des looms, hein. C'était des looms. La première apparition des looms. Ouais, j'ai entendu un bruit bizarre derrière, c'était quoi? C'est quoi ce bruit? Il y avait un bruit bizarre à un moment. Oula! Oh! J'ai à moitié de la chance. Bah là, il n'y a rien. Bon, on entend un bruit bizarre, mais bon. Ah, attention à celui-là. Tiens, il est moins résistant que l'autre d'avant. Heureusement. Oula! Ouf. Ah. Le niveau est déjà fini. Bah c'est bien au moins. J'ai géré. Je me suis pas planté une seule fois pour une fois. Ah, c'est ça qui faisait du bruit. C'est du petit machin rocher. Hein, si je me souviens de ces ennemis-là. Des ennemis assez récurrents, hein, parce qu'ils font que de sauter partout. C'est assez chiant. C'est assez relou. Et bon, heureusement qu'on peut les tuer en un coup. Je crois que parfois si notre coup n'est pas très fort, et bah ça les tue pas complètement d'un coup, ils sont quand même assez résistants. Pas comme les petits bonhommes noirs. Voilà. Attention au pic au-dessus. Ah, ah bah merde! Oh! Ah oui, je me souviens de celui-là, c'est un boss. Je sais un peu exactement comment le tuer, mais je me souviens de sa gueule. Le boss au saxophone, j'avais jamais fait, mais celui-là, je me souviens. Là, c'est sûr et certain. Avec une musique vraiment qui nous met dans l'ambiance. Bon, attention, celui-là descend, c'est un fourbe. J'ai peut-être gagné de la skill, hein. Parce que franchement, là, je suis en train de gérer. Je pense qu'il est toujours là-bas, l'autre. Ah non, il est plus là. Il s'est barré. Il va peut-être revenir. Peut-être pas. Il est pas revenu. Bon, maintenant, là, j'ai les points surpuissants. Je suis content. Ah bah si, il est revenu. Enfin, il est passé par le dessous, ce petit... Oh, ce petit fourbe.
Ouh là là. Ouh là là. C'est vraiment au pixel près. Allez, quand même. Par contre, faut que je l'ai celui-là. Ah d'accord. C'est quand même, ils nous refont le coup là. Purée mais. Putain de. Oui. Ça veut rien dire mais j'en ai marre. Alors, en plus je voulais. Je venais de récupérer une one-up, ça me saoule. Et puis mes points ils étaient mis au maximum. Ok. Bon, j'arrête de faire le con. Ça me saoule. Il faut que je me concentre. Avec ses ennemis assez chiants qui me balancent. Ah voilà, vous voyez que là je l'ai pas tué. Pas en un seul coup en tout cas. Bon, ils avancent comme des chevaux. Enfin ça fait le même bruit des chevaux. Ils galopent. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais non, mais non, mais non. Oh, c'était beaucoup plus simple avec les points surpuissants. Bon, là, on va se faire poursuivre. Par un Fireflav géant, un Fireflav maniaque. Et... comment il s'appelle déjà? Comment j'avais dit le surnom, là? Fire Rush. Bon ça, ce passage n'est pas si difficile. Bon, après, on va l'entendre gueuler. Purée, j'en ai marre. Ah, mais... c'est pas possible. Bon, allez, là, on y va. Je vais avoir des super points, je suis content. Voilà, là, mon point est au niveau de sa puissance maximale, je crois. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Que je n'ai pas envie de clever. Et je dis ça et à ce moment-là, il y a une connerie qui tombe. Mais par contre, comment on y va là déjà? Ouais, mais le problème c'est qu'il y a ces conneries et puis je risque de me faire toucher. J'ai une chance sur deux de me faire toucher à ce truc-là. Putain de... voilà. C'est abusé quand même. N'empêche, c'est super abusé. On peut pas revenir, on peut rien faire, ça me saoule. On défonce. Ah, je viens de faire apparaître un truc, mais je sais même pas où il est apparu. C'est magnifique. Wow. Bon, ça va, là, je me débrouille plutôt assez bien. Par contre, j'ai que 3 vies. Les vies sont vraiment rares dans le jeu, hein, c'est incroyable. Surtout que ce qui est idiot, c'est qu'on récupère pas toutes nos vies quand on sauvegarde. Je trouve ça assez con. C'est après, si on est bloqué, mais complètement... alors, on peut vraiment se dire qu'on est dans la merde, quoi. Si on n'a qu'une vie et que... et qu'on a zéro continu. C'est magnifique. Bon, on peut se refaire le premier niveau inlassablement pour avoir assez de vie, mais bon... ça va peut-être saouler au bout d'un moment. Purée. 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 Deux carottes. Oula. Je suis touché deux fois, mais je suis pas touché deux fois. C'est peut-être parce que en fait, j'étais en mode invulnérabilité quand il m'a poussé. Je pense que c'est ça. Bon allez, là je me concentre là, bordel de bordel. Une petite grimace là. Oui, ça va m'aider à me concentrer, même si c'est pas très logique. Mais bon, vous savez que rien n'est logique avec la chaîne Oliver Flav. On est toujours du n'importe quoi. Et on continuera toujours à dire du n'importe quoi. Je crois qu'il faut les démolir quand ils sont dans les airs, c'est mieux. Parce que sinon, eh ben... ils sont bas et c'est pas terrible. Voilà. Comment ça se fait que... ah oui, il y a un nuage là-bas après. Ah, c'est pour passer.
Et là, comme par hasard, le monstre, il se barre. Peut-être qu'il s'ennuie, mais bon, c'est surtout pour nous aider, j'ai l'impression. Il se barre au moment où on va passer par là. Enfin, quoi que... non. Oui. Oh purée. Le fourbe. Il est où? Que je lui éclate la tête. Oh, je sais pas où il est. Oh non, il est là. C'est bon. Si ça se trouve, on va combattre ce boss dans pas longtemps. Je m'en souviens de ce boss. Là. Je me souviens très bien de la dégaine qu'il avait. Attends, par contre, je suis pas sûr si, si on avait fait bien tous les niveaux. Si on avait fait tous les niveaux. Comme vous pouvez voir, là, il y a un gros bonhomme rose. Un smiley rose qui sourit. Enfin, oui, c'est un smiley en même temps. Et bah, en fait, ça symbolise qu'on a trouvé tous les machins roses. Qu'on a démoli toutes les cages dans ces niveaux. Ah, et je peux voir qu'à droite, on peut voir le logo du grand méchant. Ça doit être par là qu'il nous regarde. Donc on doit vraiment être rendu assez loin dans le jeu quand même là. Merde, j'aurais dû sauvegarder. Bon bah, sauvegarde. On s'en fout de cet ennemi. Je veux le sauvegarder. C'est important les sauvegardes pour moi. Petite sauvegarde, j'ai pu en profiter pour faire une petite coupure qui ne me gêne pas, qui ne me fait pas chier de mettre en pause et de recommencer bah, au niveau quand je suis pas trop prêt quoi. Mais c'est quand qu'il crève celui-là? Ah. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Nouvelle musique. Déjà, ça, c'est cool. Une musique qui a l'air un peu... Oh, techno. Ou un peu disco, plutôt. Oula, attends, j'ai cru voir... Ah oui, d'accord. Ouais, bon, on peut pas retourner derrière. Voilà, c'est ça. Oh! L'esquive de PGM. Oula, attention aux boules derrière. Ils ont vraiment une tête de poisson ces trucs là. Purée. En tout cas la gueule que ça, c'est sûr. Oh. Voilà. Oh purée. Oh là là, la chance. Incroyable. Voilà, c'est assez hard, je me souviens. Le nuage n'avance pas vite. C'est calme, soudainement. Oh purée. Oh purée. Ah merde. Il va pas vers la droite. Oh putain de merde. Je me souviens... Attends. Il y a peut-être un truc en dessous. Oh oui, il y avait des trucs. Oh là là. Oh là là. Et on recommence encore, c'est magnifique, avec la musique. Qui redémarre, comme par hasard, qui redémarre bah, quand on a perdu. Si on machin. Bah, en fait, je viens de m'apercevoir en fait que... Bah oui, c'est un bug, mais... En fait, elle passe en... Elle passe pas du tout en boucle. Elle passe juste une seule fois. Les musiques. Donc, genre, la musique dure une minute, et bah pouf, elle est finie, quoi, après. Donc, bon, moi, je trouve ça moyen, quand même, hein, ce bug. Je voulais qu'il marche parfaitement sur mon PC, ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez pas le droit à voir... Bah, la musique... Bah tout le temps quoi. Pour ceux qui aiment la bande son, c'est... C'est dommage. Surtout que moi je suis... J'adore la bande son de la plupart des jeux. Je sais pas...
La plupart des jeux que j'ai fait, franchement, souvent c'était une bande son pas mal. Bon, à part le Mario par exemple, bon, Mario c'est super classique. Mais sinon les bandes son comme Rayman, là, franchement c'est... Oh! Franchement c'est des bandes son de très bonne qualité. Des musiques de très bonne qualité. Oula, je me souviens pas de son nom. Donc j'avais perdu avant. Pourtant j'ai l'impression que c'est différent là. Ah. Ah oui, c'est pour avoir le bonus là-bas. Oui, un bonus, je me souviens. Oh putain de merde. Et moi qui avais dit... Oh le nuage, comment il va vite. Ouais, et moi qui avais dit en fait que j'allais pas refaire ces coups-là là. De perdre dans un niveau d'avant. Mais bon, vous connaissez Oliver Plasma. Depuis ses premières parties, c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai pas pris les bonus, mais c'est pas grave. On s'en fout, on va pas perdre de temps. Même s'il y avait quand même un P. Encore les points, c'est pas grave, mais le P... Bon, ça fait un peu chier quand même. Ça serait peut-être pas mal d'avoir des points de vie en plus, mais bon. Petite esquive. Voilà, attention. Le moment le plus dur pour moi. Oh! Voilà. Je me débrouille plutôt pas mal dans l'ensemble, on va dire. Même si je recommence 10 fois le niveau et ça me saoule. Putain de merde, putain de merde. Bon bah je sais pas, j'ai pas trop envie de sauvegarder ce que je viens de faire, mais bon, puisqu'on est en vidéo, je pense que on va quand même continuer. J'ai pas envie de revenir dans le... Oh, dans le game over. Bon, attention parce que ceux-là on les tue pas en fait, ils sont assommés juste. Donc après ils se réveillent. Et ça peut être chiant. Après, je savais pas que les vies étaient aussi rares dans Rayman n'empêche. Encore dans les premiers niveaux il y en a quelques-unes, mais là maintenant il y en a jamais. On en a les vies, on en a juste parce qu'on a 100 machin bleu quoi. Donc c'est bien hard. Surtout que ça sauvegarde pas les vies encore une fois. Enfin si, ça sauvegarde les vies, mais si on a 0 vie, ça nous donne pas toutes nos vies d'après. Et ça, je trouve ça con. Heureusement qu'ils nous font plus ce coup là dans les nouveaux jeux. Peut-être parce que c'était la première apparition des sauvegardes, ils savaient pas trop comment faire. Je sais pas. Enfin, il y avait aussi sur la Super NES, mais bon. À la fin de vie plutôt de la console, parce que... Ouais, la Super NES, normalement, n'avait pas de sauvegarde au début. Attention. C'était juste des passwords comme la NES. Oh purée, mais je sais pas ce que je fais, sérieusement. Bon, je pense pas que je vais sauvegarder. Donc je vais couper par là. Et on va recommencer, bah... Enfin, vous voilà, quoi. Je vais un peu tricher, mais c'est pas grave. Ne m'en voulez pas. À de suite. Et on se retrouve avec 3 vies. C'est-il pas beau, ça? C'est-il pas beau? Bon, je sais, c'est de la triche. Bon, c'est une petite technique, hein. Que je vous conseille de faire, bien sûr. Oula, 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 je fais n'importe quoi déjà, ça commence très bien. Par contre, comment ça se fait que j'ai pas toutes mes vies? Enfin, bon, c'est pas grave. Peut-être parce que j'étais touché avant. Ouah, de toute façon je m'en fous parce qu'il y a un P. Comme vous voyez quand même, il y a des petits passages comme ça assez sympathiques à faire. Petit passage secret qui augmente encore une fois la durée de vie. Qui est plutôt assez bonne comme durée de vie, hein. Il y a vraiment pas mal de niveaux, il y a quoi faire. Il y a de quoi faire. En tout cas, moi, avec seulement les mots de passe, déjà, je trouvais super long le jeu. Il
Yep, là je suis sûr que je vais réussir du premier coup. On parie. On parie que je vais réussir. Moi je parie que je vais me planter. Surtout. Alors. Le petit machin. Oh putain de merde! Oh oui! Oh oui! Oh magnifique. Bon là faut pas que je me plante. Oulala. Oulala. Magnifique. En plus il y a une one-up. Oh là là, mais je suis gâté moi. Voilà, c'est un yeah. Bien mérité. Ah, je vous laisse écouter cette musique qui est pas mal. Ah voilà, très bonne musique hein. Très bon style je trouve. C'est. Bon là on se retrouve pour faire un niveau bonus. J'espère qu'il va pas être trop dur. Parce qu'il y en a un que j'ai toujours pas réussi avant. Dans l'un des premiers niveaux, il est super hard. Avec les prunes là qu'il faut bouger, purée. Il est hard celui-là. Celui-là c'est le plus dur que j'ai fait. Là il a l'air vraiment franchement facile celui-là. Ou quoique. Bon, comme par hasard, à chaque fois que je dis qu'il est facile, voilà. Je me mets à faire n'importe quoi. Je sous-estime le niveau, on va dire. Bon, voilà. Je pense pas que je vais tous les avoir. À moins qu'ils nous laissent largement assez de temps. Bon, ça m'étonnerait, hein, les petits filous d'Ubisoft, là. Je parie qu'ils vont mettre une sphère largement plus loin à la fin. Ah bah oui c'est ça. Ah bah oui allez. 300 mètres de loin. Non j'exagère mais... Ça me saoule. Ah quoique il y a une technique à faire aussi. Si on a plus de 10 sphères, on peut faire exprès de perdre. D'avoir 14 sphères au lieu de 15. Et de recommencer le niveau. De recommencer le niveau pour... Pour qu'ensuite on ait 4 sphères en plus, car on paye que 10 sphères. Et si vous êtes bon en maths, hein, et bien 14 moins 10, ça fait bien sûr 4. Waouh, je m'étonne moi-même. Bon là j'espère que je vais réussir parce que sinon on va pas se retaper 1000 fois ce putain de niveau bonus. Mais bon. J'ai quand même envie de le finir parce que... Il y a une vie. Oui. Bon, ils nous ont quand même... Ils ont été sympas au niveau du temps quand même. Perfect. Oh yeah. Yeah, jong jong tong tong bon bon. Yeah. Great. Avec la musique qu'a la classe, en fond. Bon, il faut que je réussisse ça. Oh. Bon bah je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Oula purée, ce pic là, il peut être mortel. Petit P, que j'aurais pas dû ramasser parce que je m'en fous, puisque j'avais toute ma vie. Le photographe qui a une de ses gueules. Oula. Le nuage plateforme. Et le scrolling qui avance. Merde. Oh purée. Ah ça va, c'était quand même un tout petit passage. Oh purée. Comme quoi j'ai quand même des réflexes. Oh purée. Oh.
belle esquive. Oula, par contre, je sais pas comment faire sans me faire toucher là. Ah si, c'est bon. Oh. Ah bon, au premier coup pour une fois. Oh purée, non. Sur un scrolling comme ça en plus, le scrolling qui avance, ça va être chaud. Ah c'est bon. Comme vous voyez, un niveau assez particulier. Car le scrolling avance quelquefois. C'est pour nous. C'est pour qu'on tombe dans le piège. Qu'on croit que faut pas se grouiller à ce niveau et parfois, bam, le scrolling qui fonce. Donc un côté vraiment un bon côté. Dans ce petit level design. Oula, je crois qu'il y a une connerie derrière. Ouais. Parce qu'il y a la musique là qui s'affole. Mais la musique s'est arrêtée. J'ai cru que c'était l'autre gros machin rose qui nous poursuivait. J'ai cru que c'était Fireflav. Oui, Fireflav veut nous prendre. Et faire des choses très étranges. J'en dirai pas plus. Attention. Fireflav a de ses idées parfois. Ah, encore un checkpoint. Bah, donc, les niveaux sont quand même pas très chauds là. Par rapport au niveau du ciel, c'était plus dur le niveau du ciel. Purée, mais je dis ça et je me fais toucher. Ok, mais attends, le truc il fait toute la place quoi. Je suis obligé de recommencer et puis y aller machin qui repop. Je crois avoir vu un truc en dessous. Ah. Ah, pour une fois que c'est bien que je descende. Ah bah en plus il y a ça qui est apparu, enfin bon j'ai pas envie de le prendre quand même. Bon moi j'ai récupéré quelques sphères, ça me fait toujours plaisir. Même si j'en ai récupéré que 5 je crois. Bon c'est mieux que rien. Attention. Ouais bah, faut vraiment être rapide quoi. Attention. Bon là je sais pas trop comment passer. C'est comme ça. Oh. Des passages quand même très chauds. Oula, il y a des pics en dessous. Attention, attention. On les voit presque pas. C'est des fourbes. Tout le monde sont des fourbes. D'accord, en fait, je sais pas, il veut pas s'accrocher. Voilà, il faut aller s'accrocher mon petit Rayman. Oula. Je sais pas ce que j'ai foutu. Oh non, je risque de crever. Il faut que je le tue ce con. Voilà, c'est bon. J'espère qu'il n'y en a pas un autre parce que j'ai vu un truc se fracasser. Ah oui, pas mal, un pic. Allez, ça donne donc 2 points. C'est bien ça. Je crois que ça nous donnait tous nos points. On sait jamais avec l'épée comme ça. Ah, magnificas. Attention, c'est machin. Bon, bah, j'ai la flemme de prendre le truc. Hein. On va pas se faire chier, hein, bon dieu. Je vais le faire, bah... En voix off. Bon, on va sauvegarder. Ah, il y a une sauvegarde ici. Chargement très long. Je chante faux. Ah, on est vraiment tout proche du boss. Hein. Avec une famille qui pleure. Un petit gros là. Et sa mère, j'ai l'impression. Ou sa grand-mère. D'accord, c'est très bizarre quand même. Le musicien offre à Rayman le pouvoir super hélicoptère. Ah oui, pour l'actionner, pressez croix, à nouveau pour monter.
Ah oui, ça je me souviens, c'est pour voler. Et oui, l'un des niveaux assez chelous du jeu. L'un des niveaux assez originaux, original. Ça se démarque des autres niveaux, c'est bien. Bon, après, il faut pas que je me plante comme une merde. Ça, sinon, ça sera pas bien. Attention là, ça commence à être assez chaud. Purée. Ouais. Bon, je préfère pas risquer ma vie à prendre ces machins. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout, je me suis fait toucher qu'une fois. Wouah. Ouf. Grosse chance. Oui, allez plus vite. Pas mal de la vie. Oula. Je sens que ça va être chaud cette galère. Ah, c'est bon. Ouais, des niveaux vraiment sympatoches, je crois. Franchement, ce Rayman... Enfin, je dirais ça après tous les Rayman, en fait. Sauf les Rayman et les Lapins Crétins. Qui sont des Rayman très moyens. Même plutôt médiocres. Yeah! Attention. Ouais, car les Rayman et les Lapins Crétins, surtout sur DS, hein, les versions DS sont très très moyennes. Wow! Oh, ça va. Heureusement qu'il y avait une plateforme juste en dessous. Purée, ça commence vraiment à être chaud, là. Oula! Ah, j'ai géré, quand même. En une seule fois, j'ai fait ce niveau. Magnifique. Oula, mais c'est quoi, ça? Ah, oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est un espèce de... Ah, c'est bizarre. Alors, on doit esquiver tous les... franchement, un level design encore très recherché, je trouve. Oula, attention à ce machin. Ah oui, je me souviens, ça devient de plus en plus petit. Attends, je crois qu'il fallait trouver une méthode. Je crois que je vais clever. Non! Dieu, aide-moi! D'accord, Dieu, il s'en fout. Bon, bah, je pense... en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Faut taper dessus ou quoi? Attends, Ah, je sais! Je viens de le savoir. Faut servir de ces pics... de ces machins pics, là. Ces machins pics. Enfin, bon, c'est pas... Vous m'avez compris! Est-ce qu'il y en a un autre, là? Non, il n'y en a pas d'autre. Oh putain de merde. Pourquoi il n'y en a pas d'autre? En fait, on a vraiment pas beaucoup de pics. On doit pas se planter une seule fois, j'ai l'impression. Ça va être un niveau assez hard encore. Surtout que je sais pas ce que c'est, du coup. Attention. Oh. Ah bah je pense qu'il a bien coupé le truc, là. Oh là là, je me suis complètement viandé, par contre, là. C'est quand même assez mal fait, hein. Ah, et pourquoi, là, il vient du... Ah, attends! Mais non! Oh, c'est con! Il fallait faire avec les cheveux! Oh là là, fallait faire avec les cheveux, mais comment trouver ça, quoi? Oh non. Ah ben, en perdant deux fois, on le trouve. Ah, j'ai cru qu'il fallait que les pics, enfin les espèces de machins, eh ben, ils foncent dessus pour que ça coupe un peu la corde. Ça aurait pu être ça aussi. Alors, maintenant que je sais, ça va pas être si difficile que ça. Oula.
Allez, mais coupe-toi, bordel! Il veut pas se couper à la fin, lui. Voilà, le dernier, là. C'est vraiment poil de cul! Oh! Ah non, mais c'est vraiment... Mais... Ils ont abusé au niveau du timer, quoi. Enfin... Au niveau de... Bah, de quand il arrive, quoi, sur la flotte. Je comprends pas, ça. Wow! Ah, là, je me débrouille bien. Bon, c'est vrai que c'est abusé. Attends, je suis juste à côté alors que je me suis débrouillé le mieux que je pouvais. Voilà. C'est vraiment tout proche. Purée, j'étais à 5 vies. Maintenant, je suis qu'à 2 vies. C'est ridicule. Bon, et ça continue. Waouh. Vous avez vu ce level design? Non, je rigole. Yeah! Magnifique! Petite coupure de merde! Et on est parti pour la suite. Oula purée, il y a le son qui bug là. Ah non, c'est bon. Je crois que ça laguait un peu là. Oh! Oh non! C'est encore un niveau avec l'eau qui monte. Avec un scrolling vertical, si vous vous en souvenez bien. On avait fait un niveau comme ça aussi avant. Bien sûr, il était peut-être un peu moins hard. Attention. Ah, il est beaucoup plus court par contre là. Oh non, je voulais voir ce qu'il y avait là-bas. Oh. Alors, c'est vraiment des salauds au niveau de ça. Parce que quand on fait l'hélicoptère, on peut vraiment presque pas se déplacer. Regardez. C'est... Je crois qu'il fallait faire ça. Là. Ah non, il y a des pics. Je préfère pas en fait. D'accord, c'est magnifique. Attention. C'est incroyable le nombre de fois que j'ai perdu, n'empêche. Attention. Je savais pas que ce jeu était aussi dur. Alors, là, on va peut-être avoir un truc à droite, à gauche. Je confonds ma droite et ma gauche. Et oui, bien sûr. Il fallait s'en douter. Ah ouais, ouais. C'est vraiment des petits satanas. Bon, par contre, il n'y a plus de nuages. Ouais, bah, je suis dans la merde. Non, il n'y a plus de nuages. Ok. Peut-être un bug. Hein. Attention. Le nuage n'avance pas, a priori. Je dois peut-être foncer à droite toute, mais non, ça fait rien. J'en sais rien. Peut-être toucher ce nuage et revenir. Bon, bah, je pense qu'on a affaire à un bug. Merde. J'ai pas envie que ça bug. Il faut toucher tous les nuages, j'en sais rien, moi. Ah bah d'accord, il apparaît une fois sur deux. En fait, il fallait revenir trois fois pour qu'il apparaisse. Oui, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment un niveau chaud quand même. Et un niveau chelou. Avec un scrolling vertical encore une fois. Avec l'eau qui remonte. Oui, l'eau nous attendait sagement. Il pleut pas mais l'eau monte, hein. Oui, c'est très logique. Oh,
Oh purée, je suis touché une fois. Oh purée, bug. J'ai n'importe quoi. Ça me fait chier. Et ça me fait chier. Purée, en plus, j'étais rendu loin, là. Je pense que je vais récupérer des vies pour la prochaine partie. Je vais me faire chier à récupérer pas mal de vies. C'est ce que je dois faire la plupart du temps. Hein. C'est ça le problème dans ce Rayman, c'est que il ne redonne pas des vies après, quoi. Il n'y en a jamais, il n'y en a que dans le premier niveau, et en plus ils réapparaissent pas quand on refait le niveau. Donc après on est obligé de se limiter avec les sphères bleues, là, d'avoir 100 sphères bleues pour avoir une vie. Le problème c'est que ça met beaucoup plus de temps que simplement choper une one-up. Qui était assez facile à choper dans les premiers niveaux. Bon, tu viens à la plateforme là? Je te tire la langue. Je te fais une glémasse. Bon d'accord, il veut pas revenir. Là je crois qu'il faut faire ça, 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 trois fois. Ah mais non, ils sont apparus avant. C'est magnifique. J'ai fait exprès de faire trop longtemps là, mais... C'est vrai qu'avant j'avais fait trois fois. C'était un peu abusé. Oula, c'est quoi ce... Voilà. Purée. Bon, c'est assez simple en fait là. Oh! Truc inesquivable! Allez, crève! Va en enfer! Voilà. Va dans la flotte! Ouais, bah... Oula! Purée, il est rap... Ce con, il est réapparu. Mais non. Il se fout de ma gueule? Non! Mais non! Oh là là. Purée, mais qu'est-ce qu'il fout à réapparaître comme ça? Bon bah, on est obligé d'utiliser un continu de toute façon, parce qu'on est rendu super loin du niveau, même j'ai l'impression qu'il y a au moins 4 niveaux dans ce niveau. Purée. Oh là, cette partie sera très dure. Bon, j'espère qu'on est bientôt au boss final, parce que là... Attends, au pire, je vais tricher à max, je vais avoir 30 vies, là. Oh, parce que ça me saoule. Par contre, ça me fera chier de recommencer tout le niveau. Magnifique. Alors, vous devez faire le premier niveau 1000 fois pour l'avoir le talent de vie. Si vous voulez avoir des vies, faites-le 300 fois. Non, j'arrête. Bon, allez, 3 fois. Alors, 1, 2... Non, j'arrête. Alors là, il s'agit pas de se planter. Et de pas prendre le P. Voilà. Tous les bonus, c'est de la merde, en fait. Ils sont placés à des endroits... Chiant. Wow. Oh purée. Comment l'eau elle monte vite là. Bon, le truc inesquivable mais que j'ai esquivé. Allez dégage là gros lard. Purée, mais qu'est-ce qu'il faut à revenir? Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bug? Ah d'accord. Ok, quel IA. Bon, par contre c'est bizarre, je le touchais en fait, on dirait que ça lui faisait du bien. Enfin, je dis que j'avais pas récupéré le P, mais je le récupère quand même. Bon, c'est l'envie d'avoir plein de vie. Oh! Purée, il m'a balancé un rocher où fallait pas. Bon, je récupère plus le P de merde. C'est décidé. Plus de P de merde. C'est bon. Je m'en fous du P. Je m'en tape. Le P, c'est rien. C'est de la merde. C'est tout ce que vous voulez. Sauf, bien.
Putain, faut vraiment être un chanceux pour avoir le P sans se faire toucher après par cette connerie de... de Fire Rush, là. Mais non! Oh, la grosse chance. Je sais pas trop comment je suis tombé, mais après, je me suis récupéré. Je monte tranquillement. Au ciel! Je vais devenir un ange. On se croit en enfer ici. Oh oui! Oh bah d'accord. Je pouvais déjà monter sur le mur. Ouf! Alors, on voit un nuage à droite, je pense qu'il faut le prendre après. Peut-être un bonus! Je fais n'importe quoi. Oh purée! Bon, en fait c'est rien. Voilà! Je fais plus le con! Et c'est bon! Oh là là. Oh purée, il neige dans un endroit comme ça, c'est tout à fait logique. Attention! Bon, au moins ça peut montrer l'esprit de Noël! Il peut pas dégager ce con. Ah oui d'accord, ah oui d'accord. Il nous refait le coup du invincible. Il nous refait le coup du invincible ce con. Il nous refait. Purée, le Fire Rush là. Fire Rush, tu abuses. En plus il a un rire de fille. Bon. Bon, ceux-là sont très faciles à esquiver. Attention, ça glisse. Rappelons donc que nous sommes sur de la neige, et sur la neige, ça glisse. Et il y a ça dans tous les jeux vidéo. Ils aiment mettre de la neige partout, parce que c'est tout beau. Oh purée, j'ai pas de 10 trucs. Oh non! Mais cours! J'adore Rayman qui s'affole pas. Allez, on gambade dans la prairie! Oula, attention à ça. Gambader dans la prairie. Pourquoi chaque fois que je dis ça, et ben après il y a des pics qui arrivent. Ils aiment pas que je parle de prairie. Merde. Oh non. Je suis à 0 vie, c'est ça? Ah non, 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 je suis à 1 vie. Ça me fait peur. Ces conneries. Par contre, ce niveau, il est incroyablement long. Je pense qu'on va s'arrêter là après. J'ai jamais vu un niveau aussi long, sérieusement. Fire Rush, j'ai l'impression qu'il est à moitié buggé. Parce que... bah, quand je touche, il avance, et parfois, quand je touche, il recule. Comment ça se fait? Ça, je me le demande. Oh, attention. Attention, attention. Haute tension. D'accord. C'est là que j'étais mort, comme une merde. Ça, on peut le dire. Avance. Petite photo. Oh purée, non, 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 non. Bon, je pense que là, je refais pas le coup. Oh. Purée, ça glisse encore ici. Oh purée, mais... on recule en plus quand on fait ça. Oui, je l'ai eu. Purée. Voilà. Oh non, il est réapparu. Oh non. Oh non, il se fout de ma gueule. Oh. Ouf. Il part à pire. Oh purée. Non. Oui. Non, oui, non, oui, non, oui.
Le pouvoir du Fire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Allez, d'accord. Voilà comment trouver les cages. Pour trouver les cages, suicidez-vous et vous en trouverez une. Oh là là. Oh non! Et il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Puis comment tu peux esquiver ça, quoi? Ok. Bon bah je pense qu'on va se faire chier, tout se retaper. J'espère que je vais pas mourir. Parce que là il me reste pas beaucoup de vie. Oh! Oh l'esquive de Dieu. Oh purée. Non, 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 non! Mais comment on peut esquiver ça, quoi? Purée. C'est quoi ce niveau de merde? Là, on peut dire que c'est un niveau de merde. On peut le dire haut et fort. Ah, je crois avoir compris. Je trouve une technique. Ah. Il fallait trouver, quand même. Faut revenir en arrière à chaque fois. Sans faire ça, je pense que c'est impossible. Sauf si on a assez de vie, bien sûr. On peut se faire toucher. Et voilà. Là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Merde. Bande de cons, vous m'avez fait peur. Oh. Là, c'est le petit machin. Purée, non, 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 non. Glisse pas! Oh non, je dois me retaper les trucs. Je dois me retaper les boules de Fire Rush. Bon bah, je suis dans la merde. Oh non! Je dois me retaper les météorites! Qui explosent bizarrement d'ailleurs. Ça me saoule. Oh, oh non, 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 putain de merde, putain de merde, putain. Je vous dis adieu. Ah, quoique, je savais pas que j'avais encore un continu. Quoique, c'est pas la fin du monde. Bon bah, dans la prochaine partie, j'aurai 40 vies, hein, je m'en fous. Purée. Ah mais mince, je suis con. Faut que j'essaie une technique. Pourquoi que là ça marchait. Alors. Oui. Non, non, oui, non, oui. C'est quand même chaud, c'est assez spécial hein, quand on commence à accrocher. Voilà. J'ai cru voir un truc là. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Ah. Oh non, il y a 10 000 ennemis, il y a même pas de paix. Moi je voulais un paix, je voulais un paix. Oh là là. Ah mais... Oh ouais, d'accord. L'autre, il bouge plus maintenant. Ah, il se remet immobile, normal. Vous pouvez me dire que c'est normal. Normal. Oh là là. Si Hooper avait fait un jeu comme ça, il sera hors de lui, là. Attention. Je pense que presque tout le monde connaît Hooper. Si vous connaissez pas Hooper, regardez tout de suite ses vidéos parce qu'elles sont magistrales. À part la toute première, sur Tetris. Moi je pense que je m'en fous. Car de toute façon il y en a d'autres qui vont réapparaître. Bon de toute façon c'est impossible de pas se faire toucher ici, sérieux. Mais attention à ceux-là. Oh!
Ouais, d'accord. Ils sont trop rapides. Une one-up, sérieusement? Incroyable! Une one-up! Oula, un boss. Quel va être ce boss? Nous verrons ça dans la prochaine partie. Non, je rigole. Alors, comment on va se le faire? Fire Rush, version ultime. Oh, ça va trop bien avec la musique en plus. Par contre, je sais pas comment la voir. Attends, et ça, est-ce qu'on peut le bousculer? Non, c'est juste une plateforme, quoi. Je sais pas à quoi ça sert. Et comment on peut le battre? Je sais même plus du tout. Comment on le bat? Comment on le bat? Comment on le bat? Comment on le bat? Ah! Ah ah! J'ai compris! Oh purée, mais c'est n'importe quoi! Mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Il fait un clin d'œil et il fout rien. Je croyais qu'il avait bugué. C'est quoi cette attaque? Mais s'il n'y a plus la plateforme, je fais comment? Ok, je sais pas. Oh non! Voilà. Purée. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce maboule? Oula. Des ennemis. Il appelle des ennemis. Les chevaux. Oh, des cailloux. Les chevaux, des cailloux. Voilà, je vais les appeler comme ça maintenant. Voilà, je donne vraiment des noms bizarres. Des noms pas du tout recherchés. Ça prend au trip comme ça, purée. Oh là là. Voilà. Attention, pas se faire toucher. On va tout de suite ici, mais je sais pas pourquoi il y a eu un espèce de bug. J'ai pas pu sauter. À cause de l'hélicoptère sans doute, parce que j'ai sauté un peu trop tôt. C'est vraiment chiant l'hélicoptère parfois. Ah, c'était pas mal ça. Purée. On se le fait. Voilà, là il va nous foncer dessus. Un peu répétitif. Un peu comme la plupart des boss. Voilà, d'accord, c'est magnifique. Oh. Oh putain. Purée. Bon. Oh purée, mais c'est quoi ce Beans? Allez, on saute. Attention là. Voilà. Je commence bien à connaître ses aptitudes au bout d'un moment, heureusement en même temps. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Le saut de la mort qui tue tout. Bon, je crois qu'il a un peu mal aux jambes après. Enfin, même s'il en a pas. Pas mal. On esquive ça. Un boss sympathique, mais bon, j'ai préféré la trompette. Le saxophone. Wow. Oh purée. Prends ça dans ta poire.
Esquive du gros marabout. Sur... Oh purée. D'accord. Attaque ultime! Soit dans Dragon Ball Z là. Attaque ultime. Il a fait son Gangidama. Merde. Oula. Maintenant il nous fait des rayons à la Freezer. Après il faut s'attendre vraiment à tout. Oh comment je l'ai eu. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh purée il esquive. Il arrive quand là? J'ai l'impression que parfois il lag. Ou il réfléchit, je sais pas. Ok, il est un peu lent quand même. Ouh, un peu lent la détente. Je l'ai peut-être énervé. Yes. J'ai l'impression que là, faut le toucher 4 fois encore. Enfin là, encore 2 fois maintenant. Oh purée! Oh, franchement ça c'est l'attaque la plus dure à esquiver. Qu'est-ce qu'il a à nous faire? Ouais comme d'hab. Ok il a changé, il a sauté cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais dire ça à chaque fois. Bah ça m'aide à me concentrer. Oh purée, il y a un nuage. Réussi! Allez, une dernière fois, en plus il me reste 2 vies. Oh. Bon ça allez, j'ai l'impression que c'était plus simple. Alors qu'est-ce qu'il y a à nous faire? Il met quand même un peu de temps. Hein. Allez l'escargot. J'ai cru que Fireflav était plus rapide que ça. À croire que non. À croire que Fireflav est un mec de 2 tensions. Non, je rigole. Oh purée. Oh oui. Petite grimace. Ah je peux pas la faire. Ah si. Ah et maintenant il est tout content. Parce qu'en fait il s'est pris une roche de smiley sur la gueule. C'est magnifique. Quelle victoire du grand Oliver Plasma. Et en plus on a un nouveau pouvoir. Peut-être le dernier. Et chance 4 Emma. Il va falloir être très rapide. Maintenant, tu peux courir! Pour courir, presse, cercle, pendant la marche! Waouh! Avec une superbe animation, hein, comme vous voyez. Bon, et c'est tout? Ah non. Yeah! Bon voilà, et par contre là je comprends pas trop, il est où le 2? Ah il est là le prochain niveau. Comme quoi on n'est pas... Non en fait le boss on le voit mais il reste quand même pas mal d'autres niveaux à faire. Ah ouais, ça va être du boulot tout ça. Bon et surtout faut pas que je me plante à perdre toutes mes... Enfin j'ai perdu tous mes continus, j'ai plus le droit à l'erreur au niveau des continus. Sinon c'est fini, bah faudrait que je gagne plein de vie. Ouais c'est ça que je vais faire. Pour la prochaine partie de ce grand Rayman 1. Donc je vais sauvegarder. C'est pour patienter pendant le chargement. Partie sauvée. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure. Pour de nouvelles aventures, et on se retrouve dans la partie 5.